Hey, salut à tous, c'est pour le hors-série pour capturer toutes les bases. Donc là vraiment pas trop intéressant ce hors-série, on va juste capturer les bases restantes, voir si ça débloque quelque chose ou quoi que ce soit. Franchement, j'y crois pas. On va envoyer un loup. Non, on va envoyer un ours. Putain de merde. Ça va être dur là. Ouf. Sauvé par lui, dame. Jamais. Hop. Il est où l'autre? Hop là. Bon, avant-poste rapidement délivré, même si bon, on galère plus trop contre les dames. Hein. Alors, hop, ça c'est fait. On va partir directement sur celle-là. Et hop, c'est parti. Du coup, on appelle notre chère monture. On a 149 villageois. Donc ça c'est cool. 149 Wenjar. Ok, on a 270 pattes, pieds. Ça va être un peu long. Mais. Tout à fait faisable. Hop. Bon, je suis encore un petit peu loin. Oh, on a des chasseurs Wenja qui sont ici, tranquille. Alors qu'il n'y a pas le bûcher encore actué. On a développé l'avant-poste avant le bûcher. On est un peu fort, nous. Mm-hmm. Ah bah, il y a un truc là. Ouais, c'est parfait ici. On va utiliser le loup, vu qu'on l'a jamais utilisé encore. Dans l'histoire, à part au tout début du jeu, du coup on va finir avec le loup. Allez hop, ce fut rapide. Ouais, j'avoue. Hop, mets-moi le fire. Ok, plus que 3.
plus que tout ça. Et il y en a un là aussi, je crois. Ouais. Allez, c'est parti, on va sur celui-là direct. Sur celui-là ici. Celui-là, ouais, ça se dit pas. Non, on va directement aller là. Hop. Ah, tu vas me laisser me téléporter, oui ou non? Ah. Sapristi saucisse, hein. Ouais, tu viens là? Voilà, je pense. Là, mon poste est pas très loin. Putain, il. Wow. Ils ont mis un feu, un dent de sabre, il est énervé. Donc la flamme, la flèche aussi peut être se consomme avec la. Ça peut se consommer, d'accord. Je crois qu'elle était invincible la flèche. Tu vois qu'elle pouvait brûler jusqu'à. En prenant toute la flèche, enfin bref. Vous avez compris. Voilà, utiliser les petits glitches pour avancer, c'est toujours utile. Bon, on peut pas trop en abuser aussi. Ça marche pas tout le temps. Ouais. Je crois que c'est des easy là, donc c'est assez chaud déjà aussi. Putain! Là, ça pue le feu là. Allez hop, nounours, ramène-toi, besoin de toi là. Le faux village quoi. Ouh, il a volé lui. Voilà, hop, avant passe c'est fait. Guerre à mon nounours. Encore en vie? Ah bah c'est cool. Alors là, toi, je crois qu'il y a un truc ici. Et on était parti par là, je crois. Ouais. On était parti par là. Vachement français. Hop! Easy. Du.
qu'un malade. Ouais, c'est par là, je crois. Exact. Hop, c'est parti. Ah, il y a quand même 1000 pieds là à faire. C'est pas rapide. Hein. Je suis toujours sur le bon chemin là, vas-y. C'est toujours pas nager. Ça, franchement, c'est un gros point faible d'un chat, sachant qu'un chat ça nageait, non? Ouais. Allez, les gars, on y est presque. Et bah, en fait, l'entrée était juste en bas. Allez, hop. Petite brasse. Allez, 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 fonce, 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 mon gars. Voilà. J'aurais dû faire ces avant-postes et ces putains de bûchers quand je chassais les bestioles, quoi. Et j'ai voulu pas le faire. Et voilà. Voilà, voilà, où je me suis mis dans la galère. De tout voir me rattraper, tout devoir me rattraper, de devoir tout me rattraper, de tout. Ah, fait chier. Hein. De devoir tout me rattraper. Bon, bref. Je parle très mal français. J'écris très bien français. Enfin, quoique. C'est encore à prouver. Mais en niveau. Franchement, des problèmes des fois à dire certains mots. Hein. Allez hop, je crois que c'est l'avant-poste ici. On va aller direct à l'avant-poste, le bûcher sera le plus facile. En tous les cas. C'est un poteau ça. Hop, on va envoyer les bouts. What? Comment j'ai pu rater ça? I'm in control!
Asko, apostat. Oh l'enculé. Oh putain. Ah moi qui croyais avoir fait un perfect encore. Eh ben non. Je me suis fait avoir par cet enculé. Voilà. Oh les bâtards, ils m'ont eu. Qu'est-ce que tu veux toi? Voilà. Tu veux parler? Tu veux venir aider tes potes là? Allez viens là. Voilà, brisage de nuque. Ah franchement tu te dis je vais faire un perfect, et bah non. Plus que 3 avant-postes et le bûcher il est juste là. Avant-poste est pas trop loin. Normalement. Pouvoir y aller tranquillement. Ouais, mais les îles sont ingénieux. Ils font des ponts en bois. Ils font des trucs assez sympas. Vraiment développés. Alors que les Indam, c'était de la pierre. De la pierre et de la pierre. Tout le contraire. Hop là, petit enchaînement, gourdin, bouffage. Oh, le bûcher est juste là, il est en hauteur normalement. On va se le faire rapidement. Je commence à bien savoir conduire cette bête. Ok. Ça l'appellera. Tu peux encore vivre, par contre toi tu fuis pas quoi, t'essaies vraiment de me buter jusqu'au bout toi. Allez hop, petit bûcher pour les Wenja. Ça c'est fait. Alors le prochain ensuite, il y a le mammouth, ou ici. Mais du coup moi je vous dis ici. Voilà, c'est bon. C'est fait.
Quoi, je peux pas? Putain, mais c'est casse-couille ça. Ouais, ouais, blablabla. De la haute power. Allez hop. On se téléporte là-bas. On récupère notre petite monture. C'est parti. Hop. Alors ce full là. Et c'est parti. Hop. Partir par là. On y va. Que des petits mammouths là, il n'y a pas d'adultes. Du coup c'est pas mal pour farmer des pots de bêtes ici. Mais on a plus besoin de farmer, on a quasiment tout maintenant. Quoique truc, je crois qu'il y a encore des trucs à débloquer. Ouais. Ouais. Ouais ouais, on a le meilleur des couteaux là maintenant. Franchement tous les endroits où je vais là, c'est là où j'ai fait les forteresses et les trucs comme ça, où j'aurais dû rester, dû finir à... Encore pour la dernière forteresse, ils m'ont téléporté, donc c'est autre chose, mais pour celle-là, pour les bêtes, j'aurais dû pas faire le con et rester et tout simplement débloquer tout, quoi. Mais j'ai fait un peu mon stupide. Mon feignant, on va dire. Oh, oui. Oh, là. Voilà. J'ai l'impression qu'il vole, tu sais. Il a des ailes. Alors... Hopidou, hopida. On a 400 pieds à peu près du dernier, du bûcher. Du bûcher, pardon. Bûcher. C'est là, dans tous les cas c'est là. Allez hop. Pouf. Bûcher c'est fait. Après, avant-poste c'est à côté. Enfin à côté, ouais c'est en face. Plus qu'un bûcher. Voilà, hop, c'est suicide. Bon, ça va me permettre de... Voilà. Ne pas refaire la même erreur. Ok. Ce serait bien qu'on ait... On est une wing fleet de la préhistoire, tu sais, pour pouvoir voler. Ça aurait été sympa. Voilà, il fait quoi? Tu viens? Ouais, c'est bien. Ok. Ok. Ok, petit bug. Bon, bah, en gros, il est descendu au mode ascenseur. Après ça va être le plus chiant, c'est d'accéder au truc du mammouth. C'est un chemin assez chiant à y aller, mais bon, on va le faire quand même. Allez hop, c'est parti, on y est presque. Okay.
Et nous, on va appeler un nounours à la rescousse. Pas les sauter comme ça, c'est trop cher. Coucou, tu veux voir ma bite? Il est vraiment furax le nounours. Il est vraiment, vraiment utile ce nounours. Merci à Laszlo encore de m'avoir conseillé de capturer ce putain de nounours. Ce beau nounours, plutôt. Même s'il est raflé, c'est le plus beau des nounours. Hop, dans le cœur. Et toi, toi dans la tête. On va te faire un petit headshot. Genre. Dans le cou. Voilà, hop, dans le cou. Voilà, ça a dû taper bien dans la glotte là. La flèche elle a dû ressortir de l'autre côté. Bien gore. Bon, par contre, franchement, avant de partir pour l'autre, je vais recharger. Recharger mes. En tout là, hop. Paf, 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 paf. Alors là, 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 à fond. Ok, on va repartir directement là-haut. Et... Youpidou. C'est trop chiant quand t'as une sauvegarde, il veut pas que tu te téléportes. Non, non, tu te téléportes pas. Non, non, tu te téléportes pas. Il veut pas, quoi. Il te lâche pas. En tous les cas, moi, faut que j'aille au bûcher. Le bûcher est là. La sortie, la vraie sortie est par là. Je me rappelle de dire qu'au début, dans cette zone, on avait qu'une certaine. On ne pouvait pas rester ad vita aeternam ici. On y va. On va finir ce qu'on a commencé. Libérer Horos des envahisseurs. Voilà, j'ai retrouvé le chemin que j'avais pris tout à l'heure pour aller plus vite. Et bah écoute, il est là. C'est super. Enfin, un chemin que j'ai trouvé par pur hasard en mourant. C'est bon à le dire, ça. Il faut bien préciser. Ouais, on va descendre par là. Aidez Ewanja. Oh, j'ai pas le temps d'aider Ewanja, ils savent se démerder. Maintenant on est 149. Ah, attends. Ok, on y est presque. On est pire qu'un mammouth, nous. On détruit tout, nous.
Moi je te dis, moi avec ce truc c'est pire qu'une voiture. Pire qu'un... Mieux qu'un 4x4 en plus. Bon par contre on va pas aller se suicider. Ouh là 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 là. Putain on a... Enfin qu'on a de bons bras hein. Allez, allez, plus que ce bûcher et après tracer dans l'avant-poste, tu pourras aller te reposer ta cale. Ok, déjà. Voilà, normalement. Voilà. Hop. Puis. Et c'est fait. Plus que l'avant-poste. Et on aura terminé. L'avant-poste qui est. Je le vois pas, l'avant-poste. Suis-je bigleux? Ah, feu de camp et tout ici. Ah, je suis bigleux ou quoi? Non, non, il n'y a plus d'avant-poste ici. Et là où je suis... Et bah, il apparaît pas. Mais pourtant, tu sais, il est encore en rouge. Écoute, je vais dormir, hein, on verra bien. Peut-être juste en s'endormant, il va rappeler sur la carte, je sais pas. Je crois que t'as pas de lit. Ah, si, t'as un lit. Allez. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de base. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de... Ouais. Je suis d'accord mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas tout déverrouillé quand même, il m'en manque... C'est rouge. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fini le jeu, enfin, à part si c'est là quoi. Ce serait un peu bizarre quand même. Soit là-bas. Il n'y a pas tout qui a été exploré je pense, normalement. Écoutez, là-bas ça n'a pas l'air d'avoir été exploré, on va aller voir. Mange et on va y aller. J'ai pas vu qu'il y avait un morceau de la map qui a pas été exploré. On va quand même trouver l'énigme à tout cela. Vas-y là, tu t'en fous là. Regarde là. Ça fait quelque chose de sauter là? Ça t'a rien fait. Mais viens là, boude pas, viens là, arrête de bouder. Putain, il est pas docile aujourd'hui, hein. Jean-Pierre n'est pas docile. Peut-être que les Udam, du coup, comme il est mort, ils ont pas décidé de faire une map en poste, je sais pas. C'est chelou.
Ouais, ça me dit, je dirais plus qu'il peut-être qu'elle est vraiment par là, je pense. Il y a une chance, mais je vois pas pourquoi il y serait pas. Oh, moi j'ai pas les yeux d'âme. Moi c'est dommage que quand même, comme t'as libéré, t'as tué leur chef, pourquoi ils s'allient pas à nous? C'est ça aussi que je trouve c'est dommage dans un sens, oui, mais... Putain, avoir des yeux d'âme en tant qu'allié, easy, après c'est vrai qu'après il y aura pas forcément d'intérêt, mais bon. Ouais bah c'était là. Donc l'avant-poste est là, le dernier avant-poste les gens, dernier avant-poste pour le dernier hors-série et dernier épisode de notre let's play. Franchement le vrai dernier, vrai fin là. On va enfin libérer Horos des Udam comme on a fait pour les Isla il y a quelques minutes. Franchement j'adore le décor. Bon. Par qui là? Putain, il prend plus de flèches là, la bestiole. Hop là! Même plus besoin de son arme. Et voilà, dernier camp. Je crois qu'on a fait le taf, hein. Même le tour, on a tout fait, je crois. Là. Je crois qu'il n'y a même plus rien. Même au village, il n'y a pas de quête. Voilà, je pense qu'on a libéré Horos. Que le dernier épisode, du coup, est fini. Que notre village a atteint donc la population de 181 personnes. On n'a pas atteint les 300, donc je vous l'avais dit, on n'atteindra pas forcément les 300. Et voilà, donc du coup là bah, je débloque ce que je veux, franchement je vois pas l'utilité. Et voilà, c'était Uzo pour le dernier hors-série. Il y aura plus de vidéos sur Far Cry après celui-là. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à poser vos commentaires, proposer des jeux, je le ferai.
Donc on se retrouve bientôt pour d'autres let's play. Bye!